Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Chante avec moi. Il prend soin de moi. Yes. Je ferai des exploits. Même si la mer s'agite, même si le vent souffle, ce que je sais, je ferai des exploits. Même si le feu, même si le vent souffle, ce que je sais, je ferai des exploits. Quel que soit le vent, je ferai des exploits. Quelle que soit la mer, je ferai des exploits. La mer ne me submergera pas. Oh, je veux dire à quelqu'un que la mer ne va pas te submerger. Parce que Christ est avec toi. Parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les circonstances, parce que le Saint-Esprit est avec toi, tu feras des exploits. Avec Dieu, oui, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec le Saint-Esprit, avec je suis avec le Saint-Esprit, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Même si l'on me dit que c'est fini, même si la terre s'ébranle avec Jésus, je ferai des exploits. Même si l'on me dit que c'est fini, même si tout tourne à l'envers avec Dieu, je ferai des exploits. Même si tout semble perdu, même si... Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partagez. Permettez à quelqu'un de pouvoir recevoir la notification de cette prière. Partagez à une personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous partageons la vidéo, nous aimons la vidéo, soyons des sycomores pour une personne. Partageons, nous disons bonjour au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire bonjour au Saint-Esprit? Disons bonjour au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce midi. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour cette session de midi. Nous voulons encore te célébrer parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Seigneur, prends le contrôle de ce temps de prière par le Saint-Esprit et que ton règne vienne et que tout soit pour ta seule gloire. Que tout soit, Seigneur, ô Dieu, pour ton nom, ô Dieu. Et que, Père, tous ceux qui vont rentrer dans cette session de prière ou qui vont la suivre après puissent recevoir de toi une transformation, puissent recevoir une restauration, puissent recevoir un changement dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié.
Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Voilà, nous sommes donc dans notre session de PPRS et notre thème, notre sous-thème de ce midi est tout simplement « Sa présence te transforme ». Écris avec moi « Sa présence te transforme ». « Sa présence te transforme ». La présence de Dieu transforme toute personne. La présence de Dieu emmène la transformation, emmène la restauration, emmène le changement. La présence de Dieu emmène un changement radical ou encore une métamorphose. Je pense que depuis lundi, nous avons commencé une série où on est en train de prier sur s'asseoir dans la présence de Dieu, faire asseoir sa vie, faire asseoir sa destinée, que Dieu puisse te faire asseoir. Et toujours dans la même lignée, dans la même lancée, ce midi, nous prions pour la transformation. Alléluia. Nous allons prier pour que la présence de Dieu puisse encore nous transformer. C'est pour cela que je dis, sa présence te transforme. Sa présence te transforme. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Voilà. Partagez parce que je pense que d'autres sont encore en train d'attendre le lien. Ils ne sont pas encore là. Il y en a beaucoup qui sont en retard ce midi. Mais nous allons déjà commencer. On verra après. Si on termine, ils suivront après. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3 au verset 18 qui dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je viens encourager une personne à contempler Christ. Je viens encourager une personne à contempler le Saint-Esprit. Et comment pouvons-nous contempler le Seigneur? C'est en étant dans sa présence. C'est en nous asseyant dans sa présence. Alléluia. Il y a eu un homme de Dieu au 16e siècle, un homme de Dieu entre le 16e et le 17e siècle. Voilà. Et cet homme de Dieu avait tellement une communion profonde avec le Seigneur. Il avait une communion tellement profonde, tellement assise. Il avait une intimité tellement profonde, ancrée avec le Saint-Esprit, que son visage brillait. À un moment donné, son visage commençait à briller. Et il est dit que, dans sa biographie, il est dit que même il y avait des personnes qui étaient des païens qui ne voulaient pas être à côté de lui. Ils avaient peur d'être à côté de lui, de peur qu'ils puissent se convertir. Vous voyez ça? Ils étaient tellement... ils avaient peur. Il est dit dans sa biographie qu'il y avait un homme qui était comme un ami à lui et il était très sceptique. Il n'aimait pas trop les choses de Dieu. Mais tellement le visage de cet évêque brillait, tellement son visage avait quelque chose qui faisait qu'il n'était pas comme les autres. Et cet ami-là devait passer la nuit avec lui. Et cet ami refusait de dormir avec lui parce qu'il disait... Si je dors avec lui, j'ai peur de me convertir. Tellement son visage brillait. Tellement il avait la présence de Dieu. Alléluia. Il avait peur. Il se disait, non. Si je passe une nuit avec cet homme, je vais devenir chrétien. Si je m'assois à côté de lui, je vais devenir chrétien malgré moi. Même si je n'ai pas envie, je risque de le devenir. Pourquoi? Parce que son visage brillait tellement. Alléluia. Et il est aussi dit que d'autres personnes qui étaient autour de lui disait que c'était un homme qui était rempli de la grâce de Dieu. On disait qu'il était plein de grâce. On disait aussi que sa voix était pleine d'amour. Quand il parlait, on sentait l'amour dans sa voix, l'amour de Dieu. Et son visage était plein de gloire. Waouh! Mais ça, c'est un homme qui est comme toi, comme moi. C'était quelqu'un qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle. Mais, bien aimé, ce que cet homme a vécu, toi aussi tu peux le vivre.
Pourquoi il est arrivé au niveau où son visage commençait à briller? Tout simplement parce qu'il avait une grande intimité avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et il faut savoir, bien aimé, que lorsqu'on passe du temps avec le Saint-Esprit, lorsqu'on décide de s'asseoir dans la présence de Dieu, il y a une transformation qui se fait. Il y a un changement radical qui se fait. Et notre visage reçoit aussi une illumination. Notre visage reçoit quelque chose qui brille. Il y a une illumination qui se passe. Les gens peuvent voir que ton visage est tellement serein. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous regarde comme ça et vous dit « Waouh, ton visage est tellement serein. » Quand on regarde ton visage, ça, voilà, il y a la joie. Tu ne rigoles pas, tu ne souris pas, mais lorsqu'on te regarde, tu communiques la joie. Lorsqu'on te regarde, tu communiques l'apaisement. En fait, quand tu es en relation avec le Saint-Esprit, à un moment donné, lorsque tu vas être avec les gens, tu communiques l'apaisement. Juste le fait que tu viens, ils sont apaisés. Juste le fait qu'ils te regardent, ils se sentent touchés. Oui, beaucoup de personnes entre vous ont déjà vécu ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Lorsqu'on contemple, si tu te mets devant un miroir, tu vas commencer à te regarder. Mais imagine-toi que tu commences à contempler Christ comme dans un miroir. Tu commences à le voir, tu commences à le contempler, tu commences à le chercher, tu commences à le désirer, tu commences à t'asseoir dans sa présence. Tu choisis la bonne part de t'asseoir dans sa présence. L'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes transformés en la même image. Lorsque je vois l'image de la gloire au travers du Seigneur, moi aussi je veux recevoir la gloire. Lorsque je vois l'image de la grâce au travers du Seigneur, moi aussi je reçois la grâce. Lorsque je regarde l'image du miracle au travers du Seigneur, moi aussi je reçois la vie de miracle. Tout ce que tu vois en Christ, tout ce que tu arrives à percevoir en Christ, cela va te revenir. Alléluia. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, écoutez ça, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et vous savez, un enfant de Dieu, un chrétien qui contemple continuellement Christ, un chrétien qui contemple continuellement le Saint-Esprit dans le miroir de la parole de Dieu. Écris avec moi le miroir de la parole. Le miroir de la parole. Le premier miroir que nous avons, c'est le miroir de la parole. Un chrétien qui contemple continuellement Christ dans le miroir de la parole de Dieu. Ou encore, dans le miroir de la prière. La prière est aussi un miroir. Alléluia. Nous avons le miroir de la parole de Dieu, où tu contemples le Seigneur. Nous avons le miroir de la prière. Bien-aimé, lorsque tu le contemples aussi dans le miroir de la prière, tu vas expérimenter une transformation spirituelle. Tu vas expérimenter une métamorphose. Tu vas expérimenter un changement. Tu vas expérimenter une transformation parce que tu le contemples. Prophétesse, est-ce que je vais contempler Jésus dans un miroir comme le miroir de la maison? Non, tu ne vas pas le contempler dans le miroir de la maison, mais tu contemples Christ dans le miroir de la parole de Dieu. Le miroir de la parole de Dieu. Deuxièmement, tu vas contempler Christ dans le miroir de la prière. C'est pour cela, bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas se dissocier de la parole et de la prière. Un enfant de Dieu ne peut pas négliger la parole et la prière. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher sans la parole et la prière. Celui qui se dit chrétien ne peut pas fonctionner sans la parole et la prière. Parce que ce sont les bases qui tiennent sa vie spirituelle. La parole et la prière. La parole et la prière, ce sont des miroirs qui nous font contempler Christ. Et lorsque nous contemplons Christ dans ces miroirs, alors nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et j'aime la version Darby. La version Darby dit ceci. Or nous tous,
contemplant à face découverte. Donc, il n'y a pas de voile, il n'y a rien devant nous, à face découverte. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. La version Darby dit « en esprit ». La version Louis II dit « nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit ». Ici, il dit « en esprit ». En fait, nous sommes transformés en esprit. Nous sommes transformés à l'intérieur de nous. Nous sommes transformés à l'intérieur de nous. Nous sommes changés. Nous sommes transformés. Alléluia. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. C'est en esprit que les choses vont se passer. En esprit. C'est pour cela que je dis, sa présence te transforme. Cherche la présence de Dieu. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans sa présence parce que sa présence te transforme. Dis à la personne qui est à côté de toi, sa présence te transforme. Sa présence te transforme. Sa présence te transforme. Sa présence te transforme. Que cette présence puisse te transformer au nom de Jésus. Sa présence te transforme. Alléluia. Sa présence te transforme. En réalité, comprenez une chose, que en fait, nous finissons toujours par ressembler à ce à quoi nous fixons nos regards. Lorsque tu fixes ton attention sur quelque chose, sur quelqu'un, tu risques de refléter exactement la même image que cette personne. Tu vas ressembler à cette personne. Alléluia. L'homme est le résultat, ou encore l'homme finit toujours par ressembler à ce sur quoi il fixe son attention. L'homme finit toujours par ressembler à ce sur quoi il fixe son attention. Et il y a quelque chose que j'ai souvent remarqué lorsqu'on conduit la voiture. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous conduisez la voiture et que vous êtes sur votre chemin, mais lorsque vous fixez votre attention sur à gauche ou à droite, vous vous focalisez sur un point donné. Si vous ne faites pas attention, le volant va dans la même direction. Quelqu'un a déjà vu ça? Le volant va exactement dans la même direction. Lorsque tu es fixé sur la gauche, le volant aura tendance à aller à gauche alors que tu es censé avoir le volant droit devant toi. Pourquoi? Parce que tes mains vont suivre tes yeux. Automatiquement, lorsque tu regardes à gauche, tu as tendance, le volant a tendance à aller aussi à gauche alors que toi tu vas tout droit. Mais parce que ton attention s'est focalisée sur la gauche, le volant aussi part à gauche. Si tu ne fais pas attention, si tu ne retiens pas ton volant. Parce que l'homme finit toujours par ressembler à ce sur quoi il fixe son attention. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce midi, fais attention à ce sur quoi tu te focalises. Fais attention aux personnes que tu regardes. Fais attention à la chose que tu fixes. Fais attention. Commence à prêter attention à sur qui tu fixes tes regards. Vous allez remarquer même, c'est très simple, il y a beaucoup de personnes qui me disent, « Ah, prophétesse, c'est bizarre. » Je me rendais compte que je priais comme toi. Quand je priais, je me suis rendu compte que finalement, c'est comme si c'est maman Frida qui priait. C'est comme si c'est le pasteur qui priait en moi. Vous savez pourquoi? Mais à force de nous écouter. Parce que votre attention est là. Dans votre subconscient, notre manière de prier rentre automatique. Ça s'incarne en vous. C'est tout à fait normal. Ça s'incarne. Les phrases, ça va s'incarner. La manière de faire, ça va s'incarner. D'autres personnes se retrouvent que, « Ah, je prêchais comme toi. » Oui, mais à force de m'écouter, logiquement, ça se fait tout seul, sans que tu fasses des efforts. C'est pour cela que ce verset nous dit, l'apôtre Paul nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant, lorsque tu contemples Christ, lorsque tu es avec Christ, tu vas commencer à devenir comme lui. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Tu es transformé en la même image. Quelqu'un qui passe son temps à s'asseoir avec des personnes qui sont païennes, avec des personnes qui parlent mal, qui ont un langage, un mauvais langage, qui parlent très très mal, la personne va se surprendre aussi commencer à parler mal. La personne va être surprise d'avoir des mauvaises paroles dans sa bouche. Elle va commencer à réagir d'une mauvaise manière. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ce milieu-là. Et
Le fait qu'elle est dans cet environnement s'imprègne en lui. Cet environnement commence à rentrer aussi en lui, à se manifester en lui. Alléluia. C'est pour cela, cherchant Jésus, passe le temps dans la présence de Dieu. Passe le temps dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Assieds-toi. Jésus a dit pour nourrir la foule, faites-les asseoir. En ce qui concerne Marthe et Marie, Marthe s'agita beaucoup de choses, mais Marie était assise au pied du Seigneur. Le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. La bonne part qui est de quoi? De s'asseoir à mes pieds. Parce que quand elle est à mes pieds, elle contemple ma gloire. Et lorsqu'elle contemple ma gloire, alors ma gloire va aussi, va se manifester en elle. Ma gloire va se manifester en elle. Alléluia. Elle va être transformée en cette image. Elle va être transformée en cette image. Prophétesse, comment je fais pour que je fixe mon attention sur Jésus? Comment je fais? Tout simplement, je te dirais, en le contemplant. Tu dois le contempler tous les jours, constamment, dans le miroir de la parole. Tu dois contempler Jésus dans le miroir de la parole. J'aimerais vous dire une chose. Des fois, vous avez besoin qu'on prie pour vous. Des fois, tu appelles ton pasteur, il n'est pas disponible. Tu m'appelles, je ne suis pas disponible. Personne n'est disponible pour toi. Je te dis, va contempler Jésus dans sa parole. Tu as besoin de guérison, va contempler le docteur Jésus. Regarde comment Jésus a guéri les malades. Lis comment Jésus a guéri les malades. Prends le temps de le lire et de le relire et de le relire et de le relire. S'il faut que tu le lis 100 fois, lis 100 fois là où Jésus a guéri les malades, comment il faisait les miracles. Ce miracle va se manifester aussi en toi. Ce miracle va s'incarner en toi. Il y aura une incarnation du même miracle. Il y aura une incarnation. Il y aura un transfert de ce miracle dans ton corps parce que tu es en train de contempler le docteur Jésus. Tu es en train de contempler le docteur Jésus. Alléluia. Contemple le Christ dans ses œuvres. Lorsque tu le contemples, alors cette gloire aussi va rentrer en toi. Cette gloire aussi va se manifester en toi. Jésus revient bientôt. Combien de personnes lisent la parole de Dieu? Peut-être qu'on attend seulement que nous puissions être à l'église. Mais après, dès que tu fermes ta Bible, c'est terminé. Et même, bien aimé, il y a des personnes qui ne vont même pas revoir le message qu'on a donné le dimanche. Il y a des gens qui ne revoient pas, qui n'étudient pas leur message. Qui n'étudient pas leur Bible. Vous devez savoir qu'à l'église, on peut vous donner une portion de pendant 45 minutes. Mais le reste, c'est à vous d'aller fouiller. Vous devez aller chercher. Vous devez aller lire. Vous devez même revoir le message. Lorsque vous revoyez le message, vous écrivez, vous méditez. Parce que le Saint-Esprit peut vous sortir encore des révélations qu'on ne vous a pas données le dimanche. Contemplez Christ dans sa parole. Contemplez Jésus dans sa parole. Prophétesse, comment je peux faire pour fixer mon attention sur Christ? Oh, j'aimerais te dire, pour fixer ton attention sur Christ, tu dois être dans sa présence et ce que tu dois faire, c'est d'aller quotidiennement à l'église. Oh oui, va quotidiennement à l'église. Ce que la Bible appelle le lieu de la prière. Va à l'église. Pourquoi? Pour le louer, pour l'adorer, pour lui parler, pour le contempler, pour le célébrer. Raison pour laquelle nous allons à l'église. Va à l'église, soit dans l'environnement des frères et des sœurs, soit dans l'environnement de l'adoration, dans l'environnement de la louange, dans l'environnement de la parole. Quand tu es à l'église, alors tu vas contempler Christ. Tu vas contempler Christ. Et sa présence va te transformer de gloire en gloire. Ta présence, sa présence plutôt, va te transformer. C'est pour cela que David a dit dans le psaume 34, verset 5, il a dit que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Lorsqu'on tourne les regards vers Christ, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de la honte. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Revois ta relation avec le Seigneur. Est-ce que ta relation est superficielle ou ta relation est intime ou ta relation est profonde? Commence à revoir ta relation. Commence à changer les choses. Commence à mettre des choses en place. Pour que tu puisses lire la parole, pour que tu puisses contempler le Seigneur. Parce que le jour où Jésus viendra, il va prendre les personnes qui ont la même image que lui. Les personnes qui auront son image, c'est ceux-là qui vont partir. Mais ceux qui n'auront pas l'image de Christ ne partiront pas. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Et je vais terminer par ceci. Tu dois savoir que le Seigneur s'attend à ce que
Il s'attend à ce que tu puisses être de la même image que lui. Le Seigneur s'attend que tu puisses refléter sa gloire. Que tu puisses refléter sa gloire devant les hommes. Si tu es sur la terre, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Le Seigneur attend que tu reflètes sa gloire. Le Seigneur attend que ton visage puisse refléter sa gloire. Le Seigneur attend de toi que ta vie puisse parler de sa gloire, que ta vie puisse manifester sa gloire, que ta vie puisse refléter sa gloire devant les hommes. En d'autres termes, que ta lampe puisse briller. Où en est ta lampe? Tu en es où? Alléluia. Tu en es où? Tu en es où? Oh, le Seigneur veut que les hommes puissent voir ses œuvres en toi. Le Seigneur veut que les hommes puissent voir son cœur en toi. Le Seigneur veut que le monde puisse voir sa vie en toi. Le Seigneur veut que les hommes puissent voir le cœur de Dieu en toi, les caractères de Christ en toi. Il veut que tu puisses être l'image de qui il est. Est-ce que tu es l'image de qui il est? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu pries seulement parce que tu as des problèmes ou tu pries parce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu vas à l'église parce que tu as des problèmes ou tu vas à l'église parce que tu veux connaître Christ et contempler sa gloire avec les frères et les sœurs? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sers Dieu à l'église, tu es dans un service, tu le fais juste parce que tu attends que Dieu te bénisse ou tu le fais parce que tu aimes Dieu? Tu le fais parce que tu aimes Dieu, parce que tu te dis que tu dois le faire puisque tu es un serviteur, une servante, ou bien tu le fais parce que tu attends quelque chose du Seigneur? Où en est ta foi aujourd'hui? Où en est ta relation aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu ou tu sens que tu es loin de sa présence? Oh, que tu sois dans la présence de Dieu. Je prie que tu sois dans la présence de Dieu et que lorsque Jésus va revenir, que toi aussi tu puisses partir. Lorsque le Seigneur va revenir, qu'il puisse trouver ton visage briller, qu'il puisse trouver la foi en toi, qu'il puisse trouver le Saint-Esprit en toi. Que tu sois aussi enlevé. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. N'oublions pas cela. Changeons notre manière de servir Dieu. Changeons vraiment, je vous en supplie, changez votre manière de servir Dieu. Changeons notre manière de chercher Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'église est devenue un business. Beaucoup de business dans l'église. Beaucoup. Que ce soit au niveau des musiciens. Vous allez chez les musiciens, c'est le business. Quand tu veux faire venir un musicien, on te dit, va voir son manager. Il faut d'abord aller voir mon manager. Après le manager, vous allez payer combien? C'est devenu du business. Et le cœur du Seigneur est blessé. L'église est remplie de business. Ou encore, l'église est remplie de personnes qui viennent comme s'ils venaient voir un voyant. Ou une voyante. Comme s'ils venaient voir un marabout. Qui ne viennent pas parce qu'ils aiment le Seigneur, mais qui viennent tout simplement parce qu'ils attendent quelque chose. Le Seigneur Jésus a dit à la foule, « Je sais, vous me suivez parce que vous avez mangé des pains et des poissons. Et c'est pour cela que vous me suivez encore. » Oh, il y a beaucoup de personnes qui suivent le Seigneur parce qu'ils veulent des pains et des poissons. Parce qu'ils veulent manger à cause de leur ventre. Parce qu'ils ont besoin de miracles pour leur propre plaisir et non pas pour le Seigneur. Bien-aimés, on doit se repentir parce que Jésus revient bientôt. Le diable s'est glissé dans l'église d'une manière très sournoise. Et on a l'impression que, oh, tout va bien, mais alors qu'il est déjà là. Le diable est rentré. L'église est devenue une église business. Où les gens s'enrichissent et les autres s'appauvrissent de plus en plus. Où on ne voit plus la gloire de Dieu, mais on voit plus l'organisation. Tout est très bien organisé, c'est pas mauvais. Tout est très joli, c'est pas mauvais, mais le Saint-Esprit n'est pas là. On ne voit pas les œuvres de l'Esprit, mais on voit les œuvres des organisations. On voit les œuvres de l'organisation. On voit l'argent qui est en train de parler. L'argent parle dans les églises aujourd'hui. Les églises qui ont de l'argent, ça se voit. L'argent parle, mais les œuvres de l'Esprit sont où? Les œuvres de l'Esprit. Et le Seigneur pleure. Le Seigneur veut les cœurs. Le Seigneur veut les cœurs. Et le Seigneur dit à quelqu'un ici aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Le Seigneur veut prendre la place dans ton cœur. Il veut s'asseoir dans ton cœur. Il ne veut pas que ton cœur soit un endroit où tu as mis les soucis. Un endroit où tu as mis l'envie de te marier. Non, il veut prendre la place dans ton cœur. Il veut d'abord être le tout dans ton cœur et il te donnera le reste. Il veut être le tout dans ton cœur. Le Seigneur cherche un endroit où les gens vont tout simplement le chercher parce qu'il est Dieu. Où les gens vont tout simplement l'aimer parce qu'il est Dieu. Où les gens vont le servir sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, nous servons Dieu, aujourd'hui, oui, mais nous attendons toujours quelque chose en retour.
on attend des reconnaissances des hommes. Le Seigneur a dit, si vous attendez que les hommes vous acclament, vous le faites, il parle aux pharisiens, vous faites pour que les hommes puissent voir vos œuvres, qu'ils puissent vous acclamer. Vous avez déjà reçu votre récompense. Vous tous qui attendez que les hommes vous acclament. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où on voit des gens de la même communauté être ensemble. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est multiculturel. L'église, c'est pour tout le monde. L'église n'est pas un endroit où on vient, on voit des Antillais dans un coin, on voit des Congolais dans un coin, on voit des Gabonais dans un coin, et le jour où un Antillais n'est pas content, tous les Antillais partent. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Ça devient un club de rencontre, un club amical. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est là où on cherche Dieu. C'est là où on cherche Dieu. Ce n'est pas un endroit où on voit des Congolais dans un coin, et lorsque un Congolais n'est pas content, comme on a blessé un Congolais, alors tous les Congolais aussi partent. Ils disent, nous aussi, on quitte l'église. Ça, ce n'est pas l'église. C'est un club de rencontre, c'est une association, association de communautaire, association ethnique. Ce n'est pas l'église. Le Seigneur veut que la vérité revienne dans son église, parce qu'il revient bientôt. Et il est temps que nous puissions donner au Seigneur ce qu'il attend. Il est temps que nous puissions donner au Seigneur ce qu'il attend. Bien-aimé, l'église n'est pas un endroit de l'orgueil. Oh, même si on ne te dit pas merci, même si on ne dit pas en tout cas tu travailles bien, c'est pas grave, tu le fais pour le Seigneur, parce que tu es un serviteur inutile. Je suis une servante inutile. Qu'on me dise merci, qu'on me dise pas merci, peu importe. Le plus important est que le Seigneur voit mes œuvres. Ma récompense, elle est céleste et non terrestre. Ta récompense est céleste. Alléluia. Il est temps que nous puissions travailler pour Dieu sans rien attendre en retour. Sans rien attendre. Sans rien attendre. Alléluia. Sans rien attendre. Il est temps que l'église soit restaurée. Que l'église soit restaurée. Il y a une restauration qui doit rentrer dans l'église. Il y a une restauration qui doit rentrer dans les vies. Il y a une restauration qui doit rentrer dans les cœurs. L'église que nous faisons aujourd'hui est-elle l'église du Seigneur? Est-ce que le Seigneur attend? C'est pour cela, n'oublions pas, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'église peut être comme une boîte de nuit, mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur attend l'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère de l'Esprit. Non pas l'atmosphère de la boîte de nuit ou l'atmosphère d'un concert, on dirait qu'on regarde un concert, non. Mais l'atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur attend et c'est ce qu'il veut manifester dans ce temps de la fin. C'est ce qu'il veut manifester. Alléluia. Et que le Seigneur te fasse grâce. N'oublie pas, Jésus revient bientôt. Serre-le de tout ton cœur. Donne le meilleur que tu peux donner. Donne le meilleur que tu puisses impacter ta génération. Vous savez, Tabitha a été ressuscitée à cause de ses œuvres. Tellement elle avait impacté son entourage. Elle avait impacté son église là où elle était. Elle avait impacté tout ce qui était autour d'elle. Que lorsqu'elle est décédée, les gens ont dit à Pierre, non. Regarde ce que je porte, c'est elle qui m'a donné. Ce que j'ai là, ce que mes enfants ont porté, c'est elle qui avait confectionné cela. Elle ne peut pas mourir. Au point où Pierre, ayant entendu les témoignages qui étaient autour de la vie de Tabitha, de Dorcas Tabitha, bien aimé, c'est alors que Pierre est parti la ressusciter. Pourquoi? Les œuvres. Bien aimé, lorsque tu travailles pour le Seigneur et que les hommes voient tes œuvres, lorsque tu travailles pour Dieu, le jour où tu as un problème, tous vont dire non, Seigneur, souviens-toi. Non, Seigneur, souviens-toi. Non, Seigneur, pas elle. Non, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que tes œuvres parlent. Tes œuvres parlent. Alléluia. Parce que tes œuvres parlent. Il y a des hommes de Dieu qu'on voit aujourd'hui, que peut-être qu'on ne connaît pas, mais parce qu'on les apprécie. S'il leur arrive quelque chose, tu vas même prier, mais tu n'as jamais vu. S'il lui arrive quelque chose, tu vas commencer à intercéder. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi, ne fais pas ça. Seigneur, s'il te plaît. Il y aura des intercessions sans pour autant que cet homme de Dieu soit en relation avec la personne qui prie pour lui. Mais tout simplement parce qu'il l'impacte de loin. Et cette personne refuse que cet homme de Dieu ait mal. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait un adorateur, Alain Mouloto, qui était malade à l'époque. Bon, il est déjà décédé, paix à son âme. Et à l'époque où il était malade, et c'était tellement incertain, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Beaucoup de personnes commençaient à prier. Seigneur, non, pas lui. Seigneur, garde maintenant, pas Alain Mouloto, pas. Pourquoi? Parce que ses œuvres, quelles sont tes œuvres? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu te prend, on pourra lire tes œuvres? On pourra dire, ouais. Il a travaillé, elle a travaillé. C'était un enfant de Dieu. Elle était passionnée de Dieu. Ah oui, c'était quelqu'un qui priait, qui craignait Dieu. Est-ce qu'on peut témoigner? Est-ce qu'on pourra témoigner? Les œuvres.
Quand on voit quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, son service pour Dieu, son amour pour Dieu, le fait que cette personne aime la présence de Dieu, les autres vont prier, même si la personne ne te dit pas bonjour, mais t'apprécie de loin. Elle va prier pour toi. Elle va élever la voix pour dire, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Non, pas lui. Pas lui. Pas elle. Non, Seigneur, non. Et le fait que les gens vont commencer à prier, Dieu va ramener la solution. Bien-aimé, changeons les choses. Jésus revient. Aimons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Au-delà des choses que nous voulons avoir, c'est bien, mais cherchons la présence de Dieu. D'abord la présence de Dieu. D'abord la présence de Dieu. Humilions-nous devant sa sainte présence. Humilions-nous. Soyons humbles. Soyons brisés. Demandez au Seigneur de briser votre cœur. Demandez au Seigneur de vous briser, de vous façonner. Que ça soit la prière de tous les jours. Seigneur, façonne-moi parce que je n'y suis pas encore arrivé. Ce n'est pas encore ça. Même si Dieu te donne les plus grandes révélations du monde, mais vois-toi toujours que tu as besoin d'être brisé, tu as besoin d'être façonné, tu as besoin du Seigneur, tu as faim de lui, tu as soif de lui, tu ne peux rien faire sans lui. Parce que bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et le salut est personnel. Et le salut est personnel. Bien-aimé, chacun de nous, nous devons travailler notre salut. Commençons par les pasteurs jusqu'au dernier fidèle. Chacun de nous devons travailler pour notre salut. Parce que, vous savez, même lorsque tu es pasteur ou lorsque tu es leader, tu risques de tomber même dans l'activisme, mais toi-même tu es déjà loin, tu t'es déjà écarté. Et les autres rentrent et toi tu ne rentres pas. Oui, les autres rentrent, toi tu ne rentres pas. Il y a des pasteurs aussi qui seront surpris. Ils se sont beaucoup donnés pour des gens, mais finalement ils se sont éloignés de Dieu. Il faut faire attention. Donc, chacun doit prendre garde à son âme. Chacun doit prendre garde à son cœur. Chacun doit prendre garde. Pourquoi? De peur que, après avoir tout surmonté, après avoir tout gagné, qu'à la fin, on te dise que non, finalement, non. Tu t'es trompé. Tu as bien commencé, mais à la fin, c'était pas ça. Bien-aimé, non. Craignons Dieu. Que la tour de prière semeur soit une chaîne de prière, une chaîne YouTube, où on trouve des vrais enfants de Dieu, s'il vous plaît. Et non pas des personnes qui sont partout, qui ne sont pas stables, qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Non. À la TPS, on va trouver des personnes qui aiment le Seigneur, qui savent ce qu'ils cherchent, qui cherchent à connaître Dieu et qui mettent Christ avant toute chose. Et je sais que vous êtes ces bonnes personnes. Que le Seigneur puisse transformer vos cœurs encore. Que le Seigneur vous emmène encore à le connaître mieux. Que le Seigneur vous emmène encore à le servir mieux. Que le Seigneur puisse encore toucher vos cœurs afin que la repentance puisse se manifester puissamment en vous. Très important. Très, très important. Aime la présence de Dieu, car sa présence te transforme. Tu dois contempler. Il faut que tu aies dans ta journée un temps où tu lis la parole de Dieu, même si tu travailles. Et d'ailleurs, tu as des pauses. À ta pause, ouvre ta Bible, lis la parole de Dieu. Donne-toi une discipline de lire la parole de Dieu chaque jour. Même si tu ne sais pas ce que tu vas lire, mais tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Même si tu tombes sur une portion des écritures qui fait peur, ça peut arriver. Tu lis quelque chose, ah, vous serez frappé. C'est pas grave. Et demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce verset? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce chapitre? Mais lisez la parole de Dieu. Lisez le docteur Jésus. Lisez le prophète Jésus. Avant d'aller chercher un prophète quelque part, commence à comprendre le prophète Jésus. Parce que Jésus aussi était prophète. Lis ses œuvres. Commence à lire. Commence à regarder les œuvres du pasteur Jésus. Quand tu connaîtras le Seigneur, quand tu vas commencer à le contempler au travers de sa parole, au travers de la prière, oh, tu vas commencer à vivre sa gloire. Ta vie va connaître un changement radical. Ta vie va connaître un changement radical. Bien-aimé, la présence de Dieu soutient. La présence de Dieu restaure. La présence de Dieu préserve du mal. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous ici, peut-être vous aviez passé des moments tellement difficiles, mais le fait d'être dans la prière, ça vous a aidé.
Le fait d'être dans la prière, ça vous a soutenu, ça vous a permis de traverser la mauvaise période. Ça vous a permis de tenir et de traverser cette mauvaise période malgré la souffrance, malgré les pleurs, mais parce que la prière était là, cette prière a soutenu votre âme et vous n'avez pas sombré. La prière, la présence de Dieu, la parole. Durant le Covid, qu'est-ce qui nous a tenu? C'est la prière. Le fait qu'on priait tous les jours, ça nous fortifiait. Malgré qu'on avait le Covid, malgré qu'on était touchés, beaucoup d'entre vous étaient touchés, mais on priait tous les jours, 4 fois par jour, et cela nous fortifiait. Cherche la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Je me souviens pendant le Covid, quand je faisais la prière, le pasteur était tellement terrassé par ça qu'il ne pouvait plus prier. Et c'est moi qui priais tout le temps. La journée, je priais bien. Le matin, ça allait. Le matin, ça se passait bien. Le midi aussi, je priais. Après, je faisais la prière du soir à 22h30, la guerre de minuit. Mais dès que je finissais la guerre de minuit, je commençais à frissonner. J'avais froid. J'étais pas bien. La maladie me terrassait juste après la guerre de minuit. Mais le matin, quand je commençais à me lever à 4h pour la prière, je reprenais encore les forces. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'est la prière. Si je ne priais pas, la maladie allait peut-être me terrasser aussi toute la journée. Mais le fait que je priais, j'étais debout, je faisais des vidéos, j'étais debout, j'étais dans la prière, dans la méditation de la parole, ça me fortifiait. Même si le soir, c'était des combats. Parce que c'était je frissonnais, j'avais des fièvres, c'était compliqué. Mais dans la prière, ça ne se ressentait pas trop. La prière, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes encore là, c'est parce que la présence de Dieu est là. Parce que sa présence nous soutient. Sa présence te transforme de jour en jour. Ta présence change sa présence transforme ton cœur. Tu sens que non, tu commences à changer quand même. Ton cœur commence à changer. Tu te sens quand même, tu sens qu'il y a des choses qui tombent. Il y a la chair qui est en train de tomber. Il y a les envies de la chair qui tombent. Et l'esprit prend la place. N'oublions pas, Jésus revient bientôt. Et nous devons nous préparer à son retour. Nous devons être prêts. Alléluia. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Prêts. Vaut mieux être pauvre, mais aller au ciel, être enlevé. Vaut mieux être dans une petite église, mais être enlevé. Vaut mieux être seul. Tu n'as pas d'amis, tu es tout seul, tu es rejeté. Tu n'as que l'église, mais tu es enlevé. Que d'avoir toutes ces choses, d'avoir l'argent, d'avoir des grandes choses, d'avoir. Et finalement, à la fin, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Vaut mieux être avec le Seigneur que d'être avec les choses de ce monde, mais finalement, tu te retrouves en enfer. Non. Vaut mieux être avec le Seigneur. Cherche cette présence, garde cette présence, aime cette présence, assieds-toi dans la présence de Dieu, cherche Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur mon Dieu, je te remercie encore. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Merci pour le don de ta parole qui est un miroir pour ma transformation. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Bien aimé, la parole de Dieu est un don que Dieu nous a donné. Il nous a donné sa parole. Alléluia. Merci pour le don de ta parole qui est un miroir pour ma transformation. Un miroir pour ma métamorphose, un miroir pour mon changement. Je te bénis Seigneur pour ta parole. Merci pour ce miroir merveilleux que tu m'as donné afin que je sois transformé. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui est un miroir Seigneur, ô Dieu, pour ma transformation, pour mon changement, Seigneur, ô Dieu, pour ma repentance, pour mon brisement. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Oh, reçois la gloire qui t'est due encore. Merci pour ta parole qui m'a encore ramené sur le droit chemin, qui m'a rappelé que tu reviens bientôt. Merci pour ta parole, Seigneur, qui m'a rappelé, Seigneur, que tu reviens bientôt et que je dois, Seigneur, ô Dieu, t'attendre et que je dois me tenir prêt parce que un jour ou l'autre, tu vas venir et tu veux me trouver prêt. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur et tu vas encore demander pardon au Seigneur. Là où tu es négligent,
là où tu négliges l'œuvre de Dieu, là où tu négliges ton intimité avec Dieu, là où tu sens que tu es quand même négligent, tu ne lis pas assez la parole de Dieu, tu vas demander pardon. Demande pardon au Seigneur, demande pardon au Saint-Esprit, demande pardon au Seigneur pour les choses qui ne sont pas encore mises en place dans ta vie, les choses qui ne sont pas assises, où tu sens que tu ballottes un peu de tous côtés, tu es un peu dispersé. Demande pardon et tu vas aussi demander pardon pour tous tes péchés connus et inconnus dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus, tendre Père de gloire, je viens encore devant le trône de ta grâce Seigneur, te demander pardon Seigneur, pardonne-moi oh Dieu mes péchés. Les péchés que j'ai commis, Seigneur, et qui attristent le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur, toute négligence que j'ai de ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, toute négligence que j'ai, Seigneur, ô Dieu, de la vie de prière. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu, toute négligence que j'ai, Seigneur, de ton œuvre. Je te demande pardon. Là où j'ai été négligente, Seigneur. Là où j'ai été, Seigneur, mon Dieu, légère, je te demande pardon. Là où Seigneur, je n'ai pas travaillé mon intimité avec toi. Là où je n'ai pas été sérieuse dans la lecture de la parole, je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur, ô Dieu, lorsque je n'ouvre pas ta parole. Pardonne-moi pour chaque fois que je n'ouvre pas ta parole, ou je la lis que le dimanche, et dès que je ferme la Bible, je viens à la maison, je n'ouvre plus ta parole. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas vivre. Je reconnais que c'est ta parole qui me transforme. C'est pour cela que je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, ô Dieu de gloire, parce que tellement je ne lis pas ma Bible, que ma Bible est toujours propre. Il n'y a pas de rature, il n'y a pas de stabilo, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de marqueur, il n'y a rien. Tellement je ne la lis pas. Je te demande pardon pour cela. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu, toute chose que j'ai faite, tout péché que j'ai commis et qui ne t'honore pas, tout péché que j'ai commis et qui n'honore pas le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois que je me focalise sur mes propres priorités et j'oublie, Seigneur, tes priorités à toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois que j'oublie que tu reviens bientôt et que je marche dans le péché comme si j'avais toute la vie devant moi. Seigneur, je te demande pardon et accorde-moi ta grâce. Je m'humilie devant toi. Pardonne-moi mon orgueil, ô Dieu. Pardonne-moi mon manque d'écoute. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu, lorsque je refuse d'avoir un leader au-dessus de moi. Je refuse d'avoir un père spirituel. Je refuse d'avoir une mère spirituelle. Je refuse qu'on puisse me dire ce que je dois faire. Mais parce que l'orgueil est là, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, car tu as dit, oh, il est écrit dans ta parole, Seigneur, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Je reconnais que je ne peux pas être perfectionné si je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas d'évangéliste, je n'ai pas de prophète, je n'ai pas, Seigneur, je reconnais que je ne peux pas être perfectionné. Pardonne-moi, Seigneur, ce cœur, oh Dieu, qui est endurci. Pardonne-moi l'incrédulité que je peux avoir parce que je refuse de me soumettre à mes leaders. Je te demande pardon. Bien-aimé, demander pardon, Seigneur. Il y a des personnes, je vois ici, qui n'aiment pas se soumettre aux leaders. Le plus gros problème que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils ne se soumettent pas aux leaders. Ils ne se soumettent pas parce qu'ils disent qu'ils connaissent. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent. Pour eux, ils ont l'expérience. Pour eux, ils connaissent. Pour eux, ils ont fait déjà beaucoup de chemin. Bien-aimé, c'est une erreur. C'est une erreur et c'est une faute venant du diable. C'est une erreur, c'est un piège venant du diable. Refusez cela. Bien-aimés, sachez vous humilier. Sachez vous humilier. Demandez pardon pour le cœur endurci. Demandez pardon pour la têtutesse. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais leur problème, c'est le caractère. C'est ce que je suis en train de voir. Leur problème, c'est le caractère. Et le fait que ton caractère n'est pas brisé, tu n'arrives pas à rentrer dans tes bénédictions parce que ton caractère, en fait, ton caractère charnel est là et ça empiète dans ta vie spirituelle. Fais très attention. Ô Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Pardonne-nous pour nos péchés. Dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore et tu vas dire, très cher Saint-Esprit, alors que je suis dans ta présence, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce de fixer mes regards chaque jour sur la parole de Dieu. Accorde-moi la grâce de fixer mes regards chaque jour sur la parole de Dieu au nom de Jésus.
Accorde-moi la grâce, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de fixer tes regards chaque jour sur la parole de Dieu. En d'autres termes, que chaque jour tu puisses lire la Bible. Que chaque jour tu puisses lire la Bible dans le nom puissant de Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'accorder cette grâce. Que tu puisses recevoir cette grâce particulière de lire la parole de Dieu chaque jour. De fixer tes regards sur la parole de Dieu. De te mirer de la parole de Dieu. De regarder le miroir de la parole dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider dans le nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, alors que je suis à la porte de midi, alors que je te cherche, je te supplie Saint-Esprit, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de tourner mes regards, de fixer mes regards chaque jour sur la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Accorde-moi la grâce de fixer mes regards chaque jour sur ta parole, chaque jour sur la parole de Christ au nom puissant de Jésus. Que je puisse ouvrir la Bible, que je puisse la lire, que chaque jour que je lise la Bible, je reconnais que je regarde mon portable chaque jour. Je reconnais que j'écris des textos chaque jour. Je rentre sur les réseaux sociaux chaque jour, mais je ne me mire pas de la parole de Dieu chaque jour. Saint-Esprit, oh misérable que je suis, pardonne Saint-Esprit, accorde-nous cette grâce de pouvoir nous mirer dans ta parole, de pouvoir regarder la parole chaque jour, d'ouvrir la Bible, de la tenir, d'ouvrir et de noter, de surligner les versets, de surligner les messages du jour dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, chaque jour tu regardes ton portable. Chaque jour tu regardes ton portable. Chaque jour tu regardes les textos que tu reçois. D'ailleurs, même lorsqu'il n'y a rien, tu regardes quand même. Juste pour voir, est-ce qu'on t'a envoyé un message. Bien-aimé, que cela soit pour la parole. Que cela soit pour la parole. Lorsque tu ne vas pas la lire, que tu sois mal à l'aise. Car tu vas tourner tes regards sur la parole de Dieu. Afin que tu sois transformé. En la même image que Christ. Tu dois tourner tes regards sur Christ au travers de sa parole. Bien aimé, même quand le téléphone ne sort pas, ne sonne pas, tu vas regarder alors que le téléphone ne t'a pas appelé. Même quand tu ne vois pas le téléphone, tu le cherches alors que le téléphone ne t'a pas appelé. À combien plus forte raison la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Fais un programme, fais un planning dans ta journée. Mets une heure où tu dois lire la parole de Dieu. Force-toi à le faire. Dis à ton âme, tu vas lire la parole de Dieu. Dis à ton esprit, tu dois lire la parole de Dieu. Dis à ton corps, tu dois lire la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tu vas prier avec moi, tu vas dire, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de midi, je rejette l'esprit de distraction. Je rejette l'esprit de distraction et je me concentre sur la parole de Dieu. Je me concentre sur la parole de Dieu et la prière pour ma transformation au nom de Jésus. Je me concentre sur la parole de Dieu et la prière pour ma transformation totale. Au nom de Jésus, alors que je me tiens à la porte de midi, je refuse, je rejette l'esprit de distraction au nom puissant de Jésus. Commence à rejeter l'esprit de distraction. Commence à rejeter. Jésus revient bientôt. Et ceux qui seront dans la distraction ne seront pas enlevés. Commence à rejeter. Rejette l'esprit de distraction. Rejette l'esprit d'agitation. L'esprit de désordre. Que cela soit rejeté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je rejette la distraction. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rejette la distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de rejeter cela. Tu es en train de rejeter cela. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de distraction, d'amusement. Que cela soit détruit. Que cela soit rejeté. Au nom de Jésus. Tout esprit de détente spirituelle, où tu te sens toujours détendu, tu es toujours détente spirituelle, tu ne pries pas, mais tu es dans la détente, non, mais que tu sois aux aguets, que tu sois comme un soldat, qui est toujours prêt pour le combat, dans le nom de Jésus, qui est éveillé, qui veille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de détruire l'esprit de distraction, de rejeter l'esprit de distraction, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Et tu vas dire encore au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, fais-moi asseoir dans la présence de Dieu.
Fais-moi asseoir dans la présence de Dieu. Fais-moi asseoir dans la présence de Dieu. Fais-moi asseoir dans la présence de Dieu. Fais-moi asseoir dans la présence de Dieu. Fais-moi asseoir. Que le Saint-Esprit te fasse asseoir dans sa présence. Que le Saint-Esprit te fasse asseoir dans sa présence. Oh, que tu ne sois pas dans la distraction. Que tu ne sois pas dispersé. Que tu ne sois pas divisé. Que tu ne sois pas quelqu'un qui tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, où tu es. Mais que tu sois assis. Que tu sois assis dans sa présence. Car sa présence te transforme. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi asseoir dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi asseoir dans ta présence, dans la présence de ta parole, dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère de ta parole, dans le nom puissant de Jésus, dans l'atmosphère de la prière, dans le nom puissant de Jésus, que je sois assis dans l'atmosphère de la prière, dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dans la version Darby, on dit, par le Seigneur en esprit. Par le Seigneur en esprit. Alléluia. Alors tu vas dire avec moi, ô Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, brille dans ma vie. Brille dans ma vie et au travers de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, brille dans ma vie et au travers de ma vie. Afin que, oh mon entourage, te voit ta gloire dans ma vie. Afin que mon entourage voit ta gloire. Seigneur Jésus, brille dans ma vie et au travers de moi. Alléluia. Et au travers de moi. Afin que mon entourage voit ta gloire. Afin que ceux qui sont autour de moi voient ta gloire. Afin que tous ceux qui me connaissent voient ta gloire. Afin que ceux qui sont autour de ma vie voient ta gloire. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, demande au Seigneur de briller dans ta vie et qu'il brille aussi au travers de toi. Seigneur, brille dans ma vie et au travers de moi. Afin que, oh, mon entourage voit ta gloire. Afin que, Seigneur, plusieurs personnes voient ta gloire au travers de ma vie. Dans le nom de Jésus. Oh, que plusieurs personnes voient ta gloire, voient la gloire de Dieu au travers de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Prie, prie, demande au Seigneur de briller dans ta vie et au travers de toi. Qu'il brille dans ta vie et au travers de toi, afin que plusieurs voient sa gloire au travers de ta vie. Afin que plusieurs voient sa gloire en toi. Car il est écrit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et que l'image de Christ soit imprégnée en toi, que l'image de Christ se voit en toi, et que l'image de Christ soit vue dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons terminer par ce sujet. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, garde mon esprit, mon âme et mon corps. Garde mon esprit, mon âme et mon corps fidèle à toi afin que je ne rate pas l'enlèvement. Très cher Saint-Esprit, garde mon esprit, mon âme et mon corps fidèle à toi afin que je ne rate pas l'enlèvement dans le nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse te garder fidèle à lui. Demande au Saint-Esprit de te garder. Lorsque tu demandes au Saint-Esprit de te garder, ça veut dire que quand tu voudras dévier, l'Esprit viendra te chercher de force. Lorsque tu voudras aller ailleurs, le Saint-Esprit viendra te chercher de force parce que tu lui as demandé de te garder. Demande au Saint-Esprit de garder. Garde mon esprit, mon âme et mon corps dans ta présence, dans ta maison, afin que je ne rate pas l'enlèvement au nom puissant de Jésus. Car je refuse de rater l'enlèvement. Que je ne rate pas l'enlèvement, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Lorsque mes yeux chercheront à aller ailleurs, Saint-Esprit, ramène-moi de force sur ton chemin. Lorsque mon cœur cherchera à aller ailleurs, Saint-Esprit, ramène-moi sur ton chemin de force, que je le veuille ou pas, car je refuse de rater l'enlèvement. Dans le nom de Jésus, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Saint-Esprit. Garde mon esprit, mon âme, mon corps dans ta présence, dans ta parole, dans ta vie, afin que je ne rate pas l'enlèvement,
dans le nom de Jésus. Garde-moi dans la foi, car le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon Père, je prie maintenant pour tes enfants, que ta foi soit en eux. Seigneur, que ta foi puisse grandir en chacun, en chaque personne qui est connectée dans cette session. Que ta foi puisse grandir, Seigneur oh Dieu, en eux, oh Père. Que ta foi puisse grandir, afin que Seigneur, lorsque tu vas revenir, que tu trouves la foi en eux. Lorsque tu vas revenir, que tu trouves, Seigneur oh Dieu, ton nom en chacun d'eux. Et que chacun d'eux soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur oh Dieu, nous nous réunissons sur Internet. Mais Seigneur, mon vœu le plus cher est que chacun de nous, nous puissions nous retrouver devant ton trône et que nous puissions te célébrer ensemble. Que la TPS se retrouve devant ton trône afin que nous puissions te célébrer ensemble. Afin que nous puissions être là où tu es, Seigneur. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, fais le travail qu'il faut faire. Change ce qui doit être changé dans la vie de ton peuple dans le nom de Jésus. Transforme, Seigneur, tout ce qui doit être transformé dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, change tout ce qui doit être changé. Fais l'opération spirituelle, l'opération sans cicatrice pour que quelqu'un soit sauvé, pour que la vie d'une personne soit sauvée, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, nos cœurs soient, Seigneur, tout à toi. Et que nos yeux soient totalement fixés sur toi, afin que lorsque tu vas revenir, que nous puissions tous être enlevés, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps de prière, merci pour ta grâce. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur pour l'exaucement. Dis merci au Seigneur, Seigneur merci pour l'exaucement, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta vie, merci car tu nous as encore exaucés ce midi. Je te bénis, je te loue, garde-nous encore fidèles à toi afin que nous puissions être là pour 22h30 pour la guerre de minuit. Garde-nous Seigneur, bénis ton peuple. Tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Père, je te recommande ton peuple qui a choisi de chercher d'abord ton royaume, de chercher ta vie, de chercher d'abord, Seigneur, ton cœur. Oh, je te prie, Seigneur, accorde-leur maintenant le reste. Tout celui qui a besoin de quelque chose, d'argent, du travail, du mariage, toute chose qu'il peut vouloir dans son cœur. Seigneur, je lève ma main droite et je prie que tu leur accordes cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, je lève ma main droite et je viens te recommander les besoins de chaque personne. Accomplis ta parole, car la Bible dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis cette parole où il est écrit dans ta parole, Seigneur, que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voici ton peuple, Seigneur, qui a fait de toi ses délices. Je lève ma main droite, oh Dieu, maintenant, et je prie de leur accorder tout ce dont ils ont besoin. Quel que soit le besoin, Seigneur, ma prière en tant que ta servante est que tu leur accordes cela dans le nom de Jésus. Dans ce monde et dans ce siècle où beaucoup cherchent d'abord leur ventre, où beaucoup cherchent d'abord leurs propres besoins, leurs propres désirs et leurs propres plaisirs. Mais ce peuple ont d'abord voulu chercher ton cœur. Ils sont venus pour la PPRS, prière pour le retour, prière de préparation pour le retour du Seigneur. Ils sont venus se préparer à ton retour. Seigneur, je te prie. Accorde la grâce. Accorde la grâce. Que le Seigneur vous accorde tout ce que votre cœur désire dans le nom de Jésus. Je dis bien tout ce que votre cœur désire. Que les portes s'ouvrent pour toi qui me suis. Au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a des migraines ici, là? Je ne sais pas. Quelqu'un a des migraines? Quelqu'un a une migraine là? Exactement du côté droite. Côté droite. Côté droite. Que le Seigneur vous accorde la guérison. Voilà. Au niveau du côté droit. Voilà. Mais juste, c'est centré juste sur un seul côté. Hein. Pas sur toute la tête, mais comme dans un coin. Que le Seigneur vous accorde la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Si tu as mal et que tu es connecté ici maintenant, du côté droit, le Seigneur t'accorde la guérison maintenant. Oh, ok. Kadi, que le Seigneur t'accorde la guérison maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Recevez votre guérison. Le Seigneur vous guérit. Voilà, le Saint-Esprit vous a localisé, vous guérit. Il vous guérit, il vous guérit. Seigneur, merci pour la guérison que tu déverses maintenant. Merci pour la guérison qui touche tes enfants. Car tu as dit, Seigneur, la guérison et la nourriture. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Seigneur, et cette nourriture que tu as appelée nourriture, c'était la guérison que cette femme attendait de sa fille qui était malade. Seigneur, merci pour ce pain que tu donnes à tes enfants aujourd'hui. Pour le pain quotidien, la guérison que tu déverses. Recevez la guérison dans le nom de Jésus.
recevez la guérison. Il vous guérit maintenant. Il vous guérit maintenant. Le Seigneur vous guérit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et je vois aussi beaucoup de soucis. Il y a des gens aussi au niveau du cœur, au niveau du cœur. Que le Seigneur puisse enlever tes soucis maintenant au nom de Jésus. Toi qui as des soucis, j'aimerais te dire que Dieu essuie tes larmes. Il ne faut pas avoir des soucis. Voilà, c'est lui qui te donne ce dont tu as besoin. Et il sait exactement quand est-ce qu'il va te donner cela. Donc, sois en paix, sois en paix, soyez en paix. Voilà, des problèmes au cœur, estomac. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. La paix du cœur. La douleur de l'estomac, c'est plus au niveau parce qu'il n'y a pas la paix. Reçois la paix du cœur. Reçois la paix du cœur. Reçois le shalom de Dieu. Reçois le shalom de Dieu au nom de Jésus. Dani, attends-toi à une visitation, quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si c'est ce mois-ci ou le mois de février, mais un truc qui arrive là, très vite. Dani, attends-toi à une visitation qui arrive. Ça sera très, 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 très grand. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Vous tous qui avez mal, dites-moi, je reçois la guérison, c'est fini. Vous avez déjà reçu, le Seigneur a déjà fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, soyez bénis et que vos portes s'ouvrent. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Parce que vous avez cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste là que vous cherchez là, c'est ouvert parce que Dieu est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Donc je vous dis, ton fiancé a changé, c'est pour ça que tu as mal au cœur. Oh, Seigneur, touche-le là où il est, afin qu'il revienne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne la paix. Voilà, soyez en paix. Voilà, donc je vous dis à ce soir, soyez bénis, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semaine, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Et aussi, aimez la vidéo. Alléluia. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et voilà. Donc, je vous dis à ce soir. À ce soir, par la grâce de Dieu. Voilà, soyez bénis. Et aimez aussi la vidéo. Avant de partir, aimez la vidéo. S'il vous plaît, partagez. Soyez des sycomores. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous avez des amis, vous avez des WhatsApp remplis de contacts. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Nous devons partager en cascade. Partagez en cascade. Soyez des sycomores, s'il vous plaît. Soyez des ponts, des canaux que le Saint-Esprit va utiliser en cette génération. Partagez les vidéos, invitez des amis à se connecter. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Amen. Nous devons évangéliser. Donc, je compte sur vous et plus encore, le Saint-Esprit compte sur vous. Et je vous dis donc à bientôt et merci beaucoup. Comment faire pour participer pour la maison de prière? Je vous ai mis les comptes ici. Vous pouvez envoyer par PayPal ici. Vous tapez juste ce mail, ça va sortir sur PayPal. Vous pouvez envoyer et écrivez bien maison de prière ou bien faites un virement sur ce compte bancaire. C'est au nom de la tour de prière Semeur. Voilà, vous pouvez le faire par là. Mais s'il vous plaît, pensez à la maison de prière. Pensez à donner même quelque chose chaque mois. Pensez à vous engager chaque mois. Ça va beaucoup aider pour que nous puissions avoir notre maison de prière. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. J'ai tant besoin de toi, je veux toucher ton